a fait le choix de s'implanter il y a 2 ans dans un village de 250 habitants, donc sur les hauteurs de Saint-Gervais-les-Bas. On a ouvert un hôtel 5 étoiles il y a 2 ans avec un restaurant et spa, et on ouvre aujourd'hui notre bistrot, ce qui permet d'avoir une deuxième offre restauration sur le village. Ce qui fait très plaisir, c'est que c'est 70 emplois créés dans un petit village qui fait 220 habitants. C'est l'ouverture de 2 restaurants, d'un hôtel, de 2 bars et d'une boulangerie. Donc ça s'appelle redonner vie à un village qui tranquillement s'endormait. On voit au travers de cette inauguration et de ce deuxième établissement une vraie dynamique et un vrai esprit d'entrepreneur, ce que Vincent Gombeau nous montre un peu au quotidien. Voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce village ? Je le connais depuis que j'ai 3 ans. Mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient déjà venus dormir à l'emplacement de l'ancien hôtel Montjoly, que j'ai complètement reconstruit. C'est un lieu que j'aime beaucoup, j'ai énormément voyagé dans ma vie et c'est un des plus beaux lieux au monde que j'ai jamais vu. C'était important pour mon premier déplacement officiel sur ce territoire de Haute-Savoie de le faire sur un projet en montagne. On est sur un projet qui est merveilleux, qui a été fait dans le respect du cadre, de l'environnement, qui crée de l'emploi, qui permettra de fonctionner l'hiver avec le ski et l'été, c'est tout ce qu'on aime. Et en plus, on a un entrepreneur qui a décidé de localiser son siège, le siège de son groupe de tourisme, dans notre région. Bon, bah voilà, on a tout ce que j'aime et tout ce que je veux qu'on porte ensemble. Et puis, c'est une façon pour moi de dire merci.